C'est ici, au gymnase d'Oyo, que la formation sportive de la DGSP Handball Dames a élu domicile pour sa deuxième phase de préparation, comptant pour le championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe. Ce cadre approprié ne peut que favoriser plus de cohésion entre joueuses. La compétition dernière n'a pas été vraiment bonne pour nous et du coup, on est venu ici pour travailler, pour se concentrer vraiment, pour travailler dur, en fait, d'aborder la compétition. Mais ça se passe bien, l'ambiance, il y a l'ambiance. Et nous, entraîneurs, les dirigeants, ça va. Pour le directeur technique, la DGSP veut ainsi capitaliser cette phase décisive de sa préparation et souhaite renforcer son effectif après les départs de certaines joueuses majeures. Dire que nous allons réintégrer ce que nous avons fait comme exploit, bon, c'est peut-être trop rêvé, mais au moins, nous sommes dans une phase de préparation. C'est ici même l'occasion de dire si nos dirigeants pouvaient comprendre, pour essayer de renforcer cette base-là, ça nous aiderait énormément. Cette deuxième phase de la préparation de l'équipe de la DGSP Handball Dames, qui a débuté à Oyo depuis le 6 mars, intervient après la première phase qui s'était déroulée à Brazzaville. Après un report de la CAHB, la compétition est finalement prévue du 9 au 18 avril prochain à Alger, en Algérie.